Les fauves de Centrafrique préparent leur saison à Lille. Depuis le 4 juillet, 20 basketteurs de la délégation nationale centrafricaine sont reçus par le LMBC au Palais Saint-Sauveur de Lille. Les fauves s'entraînent en vue du 26e championnat d'afro-basket qui débutera le 17 août prochain à Madagascar. Un rendez-vous que les Centrafricains ne veulent pas rater puisque le vainqueur représentera l'Afrique lors des prochains JO de Londres en 2012. Au programme de ce stage, deux entraînements quotidiens en partenariat avec le club lillois. C'est une ville agréable, accueillante et attractive. Et comme je le disais tantôt, Lille a les meilleures installations. C'est pas mal, les vestiaires, les salles spacieuses, la restauration, tout réuni, ce qui nous a motivés à choisir Lille. On est en train de peaufiner notre préparation. Là, on met l'accent sur les petits détails. Parce que l'afro-basket, c'est la compétition majeure en Afrique. Donc, si vous gagnez le titre, ça donne droit aux Jeux Olympiques. Alors, vous comprenez un peu la motivation et l'engouement et le sérieux des joueurs. Un match amical est programmé le 28 juillet entre les Fauves de Centrafrique et l'équipe de la Côte d'Ivoire au Palais Saint-Sauveur de Lille.